Alors, contrôle et limites de développement de la plante. Le but étant de maintenir un tapis dense et homogène avec un bon enracinement. Ouais, fait moquette quoi en gros. Alors, soi-disant pour résister au piétinement des joueurs de football, de rugby ou de cricket. Mais bien sûr. Bon, ben on va aller chercher l'objet. Où est-ce qu'elle est cette tondeuse? C'est pas possible, je vais jamais la faire moi. Elle n'est pas ici non plus. Je vais jamais être dans les temps, c'est pas possible. Bon, ben, ça y est, je l'ai trouvé. Ouais. Bah, vous avez vu comme moi, hein? Il n'y a pas de moteur. Alors, la tondeuse à gazon a été inventée en 1830 en Angleterre par Edwin Budding. C'est le gars là sur la photo. Elle était principalement destinée aux terrains de sport, aux parcs et aux grands jardins. Et puis le besoin d'une telle machine s'est accru après l'invention en Grande-Bretagne de plusieurs sports comme le cricket, le football, le rugby à 15 ou encore le golf qui, comme vous l'aurez compris, se joue sur des surfaces en herbe. Alors, les lames hélicoïdales, premier principe de coupe inventé dès 1830. Elles sont fixées sur un cylindre tournant sur un axe horizontal. Ces lames sont capables de couper à quelques millimètres du sol. Pour bien visualiser la technique de coupe, imaginez la coupe d'un ciseau. En plus de la coupe plus nette, les rouleaux favorisent l'enracinement de l'herbe, ce qui donne un gazon plus dense avec moins de mauvaises herbes. La coupe est aussi plus rapide car ces tondeuses ont des vitesses d'avancement bien supérieures et le rendement est important. Les tondeuses hélicoïdales sont très répandues en Grande-Bretagne et elles commencent à trouver leur public en France. Eh bien voilà, je crois que j'en sais suffisamment maintenant sur la tondeuse manuelle à lame hélicoïdale. Maintenant, je vais pouvoir mettre de l'huile de coude et m'affairer au travail. Le jardin sera prêt pour accueillir les œufs en chocolat. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouvel objet. À bientôt! Thank you.